Cette course de côte régionale de Bananier avec toute l'équipe de NASA qui arrive. Le briefing a été établi. Je rappelle qu'ils sont 10 pour cette course de côte de Bananier. On va rappeler eh bien, les 10 pilotes engagés avec Martin Paul sur Peugeot 206XS, Ned Henry sur Peugeot 207S 2000, Louis Jean-Baptiste sur Citroën DS 3 R3T, Madelot Olivier sur Ford Fiesta R5, Altis Anthony sur Citroën Saxo, Vitaly Selly sur Peugeot 205, Mélange Steve sur Peugeot 206 RC, Guillaume Didier sur Renault Clio RS, Derussi Joël sur Mitsubishi Lancer Evolution 7 et Derussi Loïc sur Mitsubishi Lancer Evolution 9. Voilà donc les 10 engagés pour cette course régionale de Côte de Bananier. Eh bien messieurs, nous vous souhaitons très bonne course et à tout à l'heure. Ben, une très belle édition 2018. Bon, ben, effectivement, on va aller droit au but. C'est vrai que c'est une victoire sur cette course de côte 2018. Bon, maintenant, c'est vrai que bon, on était que 10 au départ. Il n'y avait pas le nombre prévu de partants pour un retour en septembre. Une reprise des courses, une reprise, je dirais, des compétitions en septembre, la rentrée des classes, je pourrais dire ainsi. Maintenant, bon, on gagne, c'est quand même sympathique, on fait un très bon temps. Des belles montées d'essai, des belles montées de classement, tout s'est bien passé. En conclusion, ben, j'espère que bon, ça va continuer, puisque le 30 septembre, on a la course de Côte des Mamelles. Et je pense que je serai très attendu, à mon avis. Maintenant, bon, il n'y a pas de souci, je suis un fervent sportif et compétiteur, donc je serai, si Dieu veut, au départ. Et pour défendre quand même ma victoire d'aujourd'hui, déjà pour dans 3 semaines. Sachant que de toutes les façons, bon, on est en tête du championnat actuellement depuis le rallye des Grands Fonds. Maintenant, bon, on va continuer. Bon, on a une super équipe avec nous, des partenaires qui nous suivent depuis l'année dernière et encore cette année qui auront renouvelé. Donc, il faut qu'on leur apporte quand même des victoires. Et pourquoi pas la cerise sur le gâteau à la fin de l'année. Oui, c'est ma nouvelle voiture, enfin, nouvelle voiture du team, on va dire, qui m'ont mis à disposition pour que je puisse rouler normalement cette fin de saison et l'année prochaine. Donc on est très satisfait. Bon, le truc, c'est qu'on passe d'une 2 roues motrices à une 4 roues motrices. Donc on va devoir prendre un certain temps d'adaptation. Par rapport au plateau d'aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'il était évident, mais on devait être au moins dans les 4 premiers. On finit deuxième, peut-être parce que le troisième et le quatrième avaient un peu certains soucis. Mais sinon, c'est bon. Ça reste du pilotage, en fait. Hein. Mais une 2 roues motrices et une 4 roues motrices, en tout une Atmo et une Turbo, donc il y a une grosse différence. Donc c'est pour ça que ça va prendre un certain temps d'adaptation et on va faire ce qu'il faudra pour apprendre le plus rapidement possible. Oui, très satisfait. Très satisfait, on ne s'attendait pas à être... Enfin, sur le podium et encore moins en deuxième position. Donc on nous voyait beaucoup plus quatrième tranquillement parce que c'est vraiment de l'apprentissage. Mais on a eu l'opportunité, on a sauté dessus. Course de Bananier s'est bien passé, le temps était super beau. Et puis après, il y avait 4 voitures en 4 roues motrices au départ. Ben, je termine troisième, bon, ben, j'ai réussi à retirer mon épingle du jeu. Je finis sur le podium, ben, tant mieux. Félicitations au premier, Olivier Badelot qui avait la voiture pour gagner. Loïc Derussi qui avait une super voiture, lui aussi pour être sur le podium. Bon, ben, ça s'est joué comme ça, donc je suis très content. Quoi. Ben, ma voiture, elle monte en... Normalement, cette voiture, elle monte en 1.08. Je l'ai fait monter en 1.10. Bon, ben, voilà, je suis satisfait du podium, mais pas satisfait du temps. Concurrent direct, j'en avais, bon, je reste une groupe N, hein. Moi je viens d'abord pour le groupe. Donc en groupe N, il y avait des Atmos. Donc bon, voilà, normalement, je me suis dit que le groupe N, ça sera fait facilement.
J'ai eu des coupures, j'ai eu des petits soucis qui ont fait que c'est que la dernière montée que j'ai pu monter correctement. Bon ben, je prends le groupe N, je suis sur le podium. Bon ben, on va pas se plaindre, hein. On va se contenter. Et je suis quand même super content. Ben, ça s'est déroulé. J'avais déjà prévu à la 4e place. Je l'ai eu. Compte tenu les montures qui étaient au départ, bon, il y avait les grosses montures avec le turbo, il m'a assez une atmosphérique en 2 litres. Bon, bien que j'ai une 4 roues motrices, mais ça ne suffit pas en course de côte pour être devant ces voitures. Mais quand même, j'étais tout prêt à une seconde. Pour moi, je me félicite quand même. Si la voiture, je suis satisfait de la voiture. Et bon, mais il me manque un peu d'entraînement, un peu de roulage pour pouvoir faire mieux. Oui, le classement, ça me convient. 4e, bon, mais c'est clair. Hein. Une Fordel 5, deux mille dessus. Ça tire fort dans les côtes. Hein. Voilà. Alors, il a fait un peu chaud, mais la course était bien. Bon, j'ai mon ami Steve qui a eu des déboires. Ça m'a beaucoup embêté pour lui, mais finalement, il a pu faire les dernières montées de classement. Donc, j'étais vraiment très content. Et je remercie encore beaucoup l'organisation de lui avoir permis de faire les deux dernières montées. Sinon, dans l'ensemble, on s'est fait une petite frayeur à la deuxième montée de classement. Donc, on a été plus sage à la dernière, où on a pu quand même améliorer avec la sagesse. Dans l'ensemble, très positif, une bonne journée. Mon classement, très satisfait. Très, très satisfait. Et puis, de la journée, encore merci à l'organisation. L'ambiance était sympa. Tout le monde était sympa. Donc, voilà. Bilan, pas trop positif, parce que j'ai connu beaucoup de problèmes, beaucoup de petits tracas. Bien évidemment, j'ai eu l'aide du public dès nos départs, donc je n'ai pas pu faire les trois premières montées, donc les deux essais et le premier de classement. Ceci dit, j'ai pu faire les deux dernières qui ont été assez sympas, donc je termine sur ce bilan-là avec l'apprentissage de la voiture que je continue. Et voilà. Alors, pour moi, cette course, c'était plus stratégie. C'était pas aller chercher des temps à l'extrême, parce que on était à deux concurrents et l'autre concurrent n'était pas dans le championnat. Alors, ce qui fait que moi, je joue la stratégie pour pouvoir finir le championnat. C'est plus les points qui m'intéressent pour arriver au championnat. Oui, là vu toutes les courses qu'on a déjà courues, pour moi, c'est déjà bien de pouvoir participer à toutes les courses. Oui, très satisfait. Là, aujourd'hui, là, pour moi, c'était le but de partir et d'arriver. Et ça a été fait, mission accomplie. Alors, en faisant demi-tour pour pouvoir retourner sur la ligne de départ, j'ai eu la pédale d'embrayage qui est tombée au fond de la voiture. Donc, ce qui est signe du cap d'embrayage qui s'est cassé. Donc j'ai tout le staff technique du Team Fanosport qui est en train de porter, comme on dit, manœuvre pour pouvoir me permettre de repartir tout à l'heure. Et je profite de l'occasion quand même pour les remercier parce que sans eux, une course ne se fait pas. Une course, c'est pas juste prendre la voiture et rouler. C'est de la préparation avant, c'est du conditionnement après et c'est de l'entretien pendant. Donc je profite pour les remercier très grandement. Vous voyez, nous n'étions pas nombreux cette année, mais nous avons eu quand même 10 véhicules, donc 10 pilotes qui se sont engagés. Et sincèrement, il y a eu de la qualité aujourd'hui, il y a eu de la bagarre. Nous avons eu, jusqu'à la dernière minute, enfin à la dernière montée, nous avons eu une bagarre. C'était très serré dans les groupes. Et je crois que les pilotes se sont vraiment amusés aujourd'hui. Il a fait beau, je merci. Si vous voyez le cadre, il fait beau, il n'a pas plu. Le temps était idéal pour la compétition. Oui, dans l'ensemble, c'est satisfaisant. On va dire que c'est satisfaisant pour la qualité de la manifestation. Là où je suis déçu, comme je disais tantôt, nous aurions dû être au minimum à 15 voitures. Minimum. Quand nous faisons une course, nous sommes nous les bénévoles, donc les membres de l'organisation, nous sommes des bénévoles. Je vous avoue que nous partons déficitaires. Comme vous savez, il y a des moyens de sécurité à mettre en place que nous sommes obligés de payer. Nous payons l'assurance, nous payons tous les services de sécurité, les vigiles, l'ambulance et tout, le médecin. Donc nous avons des frais fixes. Et là, nous avons fait une belle manifestation, mais nous sommes déficitaires. Mais au-delà de ça, la passion l'a emporté.
Et ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que tous les pilotes se sont amusés. Et je pense que du premier au dernier, ils ont tous été heureux d'être là aujourd'hui.